je commence à partir, j'étais sortie. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais regarder, sait-on jamais si c'est ouvert. Bref, je vais regarder à distance, il y en a deux qui sont prêts. Et je vois quoi? Fermé. Ça ferme à 16h. Bah non, ça ferme pas à 16h la salle. Bref, bah du coup, karma de merde, je vais aller courir. Même si j'avais grave pas envie d'aller courir. Les gens, ils sont là, ils te regardent en mode, mais qu'est-ce qu'elle est en train de foutre? Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Du coup, je me suis dit que c'était bien d'aller reprendre de la muscu un peu. Ça va les abdos? Ah, j'ai pas chronométré. Elles sont encore collectives. Oh, j'ai mal aux jambes. J'aille me changer, que je mange, que je me repose. Ce soir je sors. Il faut que je sois en forme parce que sinon ça va être... Bon, en vrai je voulais vous parler de la muscu parce que là c'est un peu la merde. En vrai c'est pas la merde mais bon. Vu que du coup j'en ai pas fait depuis début juillet. Donc on va dire que vu qu'on est fin septembre, ça fait 3 mois, 2 mois et demi si vous préférez. C'est la merde. C'est la merde parce que j'ai un peu perdu. Et la reprise, c'est tellement dur. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression de tout reprendre à zéro et ça me casse les... Voilà. De vraiment, genre, à chaque fois que je fais une pause, genre dans la muscu, je suis obligée de repartir à zéro. Il n'y a pas de mémoire de muscle ou quoi que ce soit, il n'y a rien du tout chez moi. Du coup, là, je suis obligée de repartir à zéro. Et en fait, c'est d'autant plus difficile que si je commençais. Au final, je reviens à ce stade-là et j'en ai marre de tout le temps recommencer, de jamais évoluer. Et bref, bah, ça va être reparti pour une année de muscu. Ouais, j'ai un bouton merde, mais bref. Du coup, je vais être reprendre à zéro. Ça va reprendre autant de temps et les résultats vont venir dans 25 ans, approximativement. En plus, du coup, là, je fais sans whey ni BCA, donc ça va mettre encore plus de temps. À côté, je fais du sport de combat, donc je pourrais pas y aller tous les jours non plus. Après, au niveau de l'alimentation, là, je recommence à manger plus, mais... c'est vrai que j'ai toujours une petite faim ou alors je vais sortir boire des coups et le problème c'est que bah, l'alcool ou le coca bah, c'est du sucre donc je devrais même pas en boire sauf que on va pas se mentir, une fête sans alcool on se fait vraiment chier donc et j'adore l'alcool donc ça me fait chier de pas boire. Voilà, il faut que je me dise ouais bah ce jour là c'est le jour de cheat meal sauf que je vais pas faire du cheat meal juste pour un verre, clairement ça me fait chier. Et vu que je sors plusieurs fois par semaine et bah bref, c'est un peu chiant, donc il faudrait que genre je me dise je peux boire genre autant de verres d'alcool que je veux. Que, genre si je sors, je peux boire autant de verres d'alcool que je veux ou soir. Mais par contre à côté, genre je suis obligée d'avoir une alimentation genre impeccable, ribinde et protéines, légumineux, féculents et tout. Je suis obligée de trouver un équilibre entre les deux. Peut-être que je vous ferai genre une semaine genre dans mon assiette. Je pense que ça peut être cool. Je mange quasiment la même chose, mais j'essaierai de varier. Quand je me fais à manger, genre matin, midi et soir. Mais c'est vrai que ça m'arrive, genre, ou quand je sors de sport. C'est vrai que j'ai pas faim, donc du coup, je mange pas. Je sais, c'est pas bien, mais je mange pas.
Ça dépend. Je mange genre ouais, 2 à 3 fois par jour. Le matin, si j'ai la flemme de manger et que j'ai pas le temps, je mange pas. En général, j'ai toujours le temps, mais faut que je me fasse cuire des œufs et bon, ça prend 5 minutes, donc ça prend du temps. Et sinon, il fait 9h-13h, donc finalement ça passe vite. Donc je rentre et je mange. Là, je vais manger, il doit être 16h. Donc j'ai fait 1 heure de salle aujourd'hui. Pas fait beaucoup, je pense pas que je vais avoir des courbatures, mais bon, on verra bien. De toute façon, il fallait bien faire une reprise dans tous les cas à un moment donné, ça va être dur. Les prochaines séances vont être très 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 dur aussi. J'ai fait le bas mais j'ai l'impression d'avoir rien travaillé. J'ai un peu les jambes lourdes quand je monte les escaliers mais c'est tout. Vraiment pas sûr que j'ai des courbatures demain. Là du coup je vais aller me faire à manger. Je vous montrerai vite fait hein, ce que je prépare. Je vais pas préparer pour grand chose. Je pense que je vais faire pâte d'Inde. Je pense qu'on va se retrouver ce soir quand je sortirai. Petite spaghetti. Là j'ai juste mis du sel et de l'huile et on va aller chercher la petite dinde qui est là. Tu vas voir que je décolle. Je me suis un petit peu de pâte nature et de la dinde avec du cumin. J'avais grave la flemme de faire des brocolis ou enfin faire des légumes. Du coup, ce sera juste ça pour aujourd'hui. On se retrouve au bar Motherfucker. Alors là on est en train de tourner. Attention, on fait un film. Hein. Là on est en train de tourner un petit film. Et on continue là pour aider notre chère réalisatrice Ellie semble laver. Force à nous, force aux études, la culture. Et on fait avec. La vie, tu vois. Oh la violence. L'amour n'a pas d'œil. Et la rigueur c'est la vie. Et je vais aller voir une idée. C'était très important. Les enfants, parce que là on voit rien. Non, là on voit rien. Non, là, c'est bien, là. Mais non, on prend la photo là. T'es fragile. Je suis fragile. Mais j'entends plus un. Tu non. Toujours avec quelqu'un. Bouge. Je fume jamais. Yes. Je crois que je vais terminer ce vlog ici. Bref, j'ai passé une putain de soirée. C'était grave cool. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas de vous abonner et de lâcher un petit pouce. Et aussi si vous voulez activer la cloche. Putain, j'aurais même fait à parler, c'est insupportable. Et à activer la cloche de notification. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve mercredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Salut.